j'ai été très surpris d'apprendre ce matin que Philippe de Villiers avait décidé de quitter non seulement la présidence du Conseil Général, mais aussi son poste de conseiller général. La parenthèse va se fermer au 31 décembre et au-delà de la dimension politique ou électorale, doit effectivement contribuer à faire en sorte que la Vendée ne soit pas traitée différemment des autres départements de la région, mais Philippe de Villiers aura marqué sa présidence. La première réaction, c'est quand même la surprise, parce que bon, il y avait des bruits, mais vous savez, des bruits, on en a quotidiennement. J'ai vu encore Philippe de Villiers, il y a une semaine et demie, faire un discours auprès des pompiers, ne laissant rien transparaître de cette décision d'aujourd'hui. Donc c'est réellement la surprise aujourd'hui qui est la première réaction que je peux avoir. À aucun moment je n'ai pu penser que Philippe de Villiers allait comme ça donner une démission sur son mandat, en plus qu'il avait, il n'y a pas si longtemps que ça, dit qu'il serait à nouveau candidat donc à la présidence. Donc c'est vrai que c'est inattendu. Ceci dit, c'est le choix d'un homme que je respecte profondément. Je ne suis pas très surpris parce que depuis plusieurs mois, il y avait une ambiance un peu délétère au département avec la lutte entre Bruno Retailleau et Philippe de Villiers. Je prends acte de cette décision. C'est vrai qu'elle est importante pour la Vendée. Je ne la regrette pas, je ne m'en réjouis pas non plus. Je dois dire que malgré nos oppositions qui étaient extrêmement fortes sur beaucoup de points, sur quelques chantiers importants et stratégiques pour la Vendée, sur le TGV, le contournement sud, le contournement nord, avec Jean Coxiette, avec moi-même, il y avait un accord et un travail en commun pour obtenir ces grandes infrastructures pour la Vendée. Donc je n'oublie pas que cette avancée-là a été aussi un acquis collectif, mais aussi de Philippe de Villiers.